Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, mon ouverture truite. Yeah, ça y est, Fishtick a repris sa canne à pêche, Fishtick va à la pêche. Vous n'avez plus vu ça depuis longtemps, hein. Et ouais, c'est l'ouverture de la truite en Belgique, c'est, en fait c'était la semaine passée l'ouverture de la truite en Belgique, les dates ont changé cette année, c'est génial. En Belgique on a l'ouverture truite avant les Français maintenant. Enfin, parce que moi je devais tout le temps partir en France pour faire l'ouverture truite et être dans les premiers à faire l'ouverture truite. Mais non, c'est en Belgique que ça va se passer. La première ouverture truite, c'est génial. Sauf que la météo était pas bonne, les cours d'eau étaient en cru et donc j'ai pas pêché la semaine passée. Mais cette fois-ci, j'y suis. Bon, j'ai pas beaucoup de temps libre, hein. J'ai 2 heures devant moi pour trouver les spots, ces nouvelles zones de pêche ici. Donc je suis sur l'Oder. Il y a 15 km de zone de pêche maintenant. Les zones sont agrandies, donc je vais aller découvrir ces nouvelles zones et espérons toucher des poissons. J'espère que vous êtes là aussi pour voir des poissons, donc moi j'espère aussi en toucher. Allez, c'est parti. Moi, si je serais une truite, je mangerais Baby Louis. Tu serais sous le pont, toi, si tu serais une truite. Ah, je sais plus lancer, quoi. Ça fait trop longtemps que j'ai plus pêché. On voit que les parcours no-kill, c'est pas pour les vieux. Hein. Pour les accès, c'est bien la merde. Ah, fichonne. Oh, méga truite, mec, méga truite. Elle fait au moins 60. Elle fait au moins 60, mec! Je suis un hameçon simple, sans ardillon, ça craint! Mec, elle est immense! Je pensais que j'allais accrocher le fond. Ouais, je vais pas casser, mais par contre, j'ai peur de la perdre. Mec, elle est immense, regarde ça! Regarde ça! Tu filmes? Ouais! Oh, le poisson immense, tiens, aide-moi plutôt! Et je vais où la chercher? Ben, j'en sais rien. Là, devant toi, je vais... Ouais, attends, parce que là, elle va me dominer, hein. Elle va méga me dominer, mec, elle fait plus que 50. Elle fait 60, cette truite. Hein. Regarde ça, le morceau. Wouah. Putain, le monstre, tout rose, là. Putain, je vais essayer de ne pas la faire faire ça, en surface, parce que... C'est un saumon, le truc. Regarde ça, le saumon, mec. Domine là. Ouais, je la domine. Bon, elle a l'air d'être bien piquée, c'est déjà ça. Par contre, il y a un arbre là, il faut pas qu'elle passe sous là. Sinon, je suis dans la merde. Attends, c'est là, moi j'ai tombé. Ouah, le monstre. Oh, non. Ouh. Non, elle est partie là. En fait, là, elle a seulement compris qu'elle était dans le combat. Attention, elle arrive, je te l'amène. C'est le bon plan, c'est le moment. Oh putain, le monstre. Hey, c'est quoi ce monstre, mec? C'est une femelle. Wouah, le monstre. Je vais filmer, je vais montrer le poisson et puis je vais la remettre à l'eau. Ok, parfait. Voilà, le poisson est reparti. J'ai même pas pu vous le montrer. On l'a en photo. Quelle loose, quoi. Waouh, quel poisson de dingue c'était. On n'a pas pu le mesurer non plus. Ça faisait plus que mon épuisette, donc... Ça, à mon avis. Pour moi, elle faisait 60. À mon avis, c'était un poisson de 60. Ouh. Et ben voilà, il y a un autre pêcheur qui pourra venir la prendre. Cool! Ça, c'est de l'ouverture truite! Le plus gros poisson de Charleroi! À mon avis. Hallucinant! Jamais je m'attendais à pêcher un truite comme ça. Qui aurait cru que j'aurais pris un monstre? Et franchement, je ne l'ai pas mesuré, mais je me demande si c'était pas mon record truite, parce que mon record truite, il a 58. Oui, c'est ça, 58. Donc là. Pour moi, c'était mon record truite. Ça passait 60, c'était vraiment monstrueux. Voilà, petit leurre qui était en test, qui marche plutôt bien du coup. Ça valait la peine de le mettre. Petit leurre dur.
hameçon simple et hardillon écrasé. J'avais quand même les chocottes de perdre le poisson, parce que sur des poissons comme ça qui se débattent avec des combats un peu plus longs que la normale, ben forcément on a plus de chances de les perdre. Mais bon, le plus gros poisson de Charleroi, est-ce que quelqu'un a fait mieux à Charleroi? Je ne crois pas. Et pour moi, c'est peut-être c'est plus que 60. Hein. Ouais. Elle faisait plus que 60 quand même, non? Ouais, c'est énorme. Ouais. Bon, on saura jamais parce qu'on n'a pas mesuré. J'ai pas pu même la montrer à la caméra. C'était tellement monstrueux. Je crois qu'il y a des trucs intéressants. Bah, je ne sais pas. Écoute, la fosse là, elle était juste superbe. Je garde mon leurre. Là, maintenant, je ne change plus. Il est bien. Sympa ce petit leurre, il plonge bien. Un petit, hein, il fait 5 cm. Plus environ 1 cm de bavette. Il fait 6 cm. Ah, c'est vraiment beau ici, hein. Ah non, vraiment, vraiment. La rivière de l'odeur. Proximité de Charleroi. Pas grand monde, il n'y a pas beaucoup de pêcheurs. Et ça vaut vraiment le coup. Oh non! Oh oui! Ah bah ici. On peut aller en bas, mais c'est. Ouais, il faudrait descendre, mais. On peut descendre par ici à droite. Ah ouais, bah je vais faire ça. Mode furtif activé. Et ici, elles sont toutes ici, je te dis. C'est ici, c'est ici, elles sont ici, elles sont toutes ici. Moi, je te dis, elles sont toutes ici, parce que là, c'est la face, mec. Je fais tout ça pour être discret et je perds mon épuisette et elle fait plein de bruit. Ah, il y avait une truite. Il y avait une truite. Donc là, j'ai raté une truite. Elle a tapé dans l'heure, mais elle n'a pas pris. C'est peut-être un leurre un peu trop gros. Ça avait l'air d'être une petite truite. Ah. T'es croché. C'est pas une arc, Philippe ? Non, non, si c'était une arc. Ah ouais ? Ça valait le coup, mon petit ? Bon, il est bien, mon leurre. Ah, je viens d'en rater une encore. Ouais, vas-y. C'est peut-être la même. Je recommence. Il est trop bien, mon leurre. Ouais. elle les kiffe, quoi. J'en ai qu'un seul de leurre comme ça. Oh, je l'ai. Ah, t'es croché. Il y en a plein ici. Je crois que c'était encore une autre. À mon avis, il y en a deux différentes. Deux ou trois. C'est pas grave, en 2 heures, on aura eu de l'action. Hein. On n'a même pas pêché 2 heures, on a pêché genre 1 heure. Bon. Ah. Je pense que mon leurre a dégagé sur la droite, là, et il n'y a pas de raison, donc, à mon avis. Sous la racine, là. On va essayer, hein. Poisson, raté. Putain, elle m'a envoyé dans la branche. Hein. Oh, je suis trop deck, t'as vu? Elle m'a pris mon leurre. Elle m'a pris mon leurre. Et puis elle l'a lâché. Mon leurre s'est barré sur la droite et je finis dans la branche. Ah, c'est bon. Très chouette petit parcours. Hein. Ouais. Oh, bah non. Mignon, les bois à côté, prairies, un mix d'un peu tout. Avec des petits chaleurs. Des poissons comme ça, de 60. Ouais. Non, mais c'était fou. Et bien voilà, 2 heures de pêche. Enfin, même pas 2 heures de pêche, parce qu'il a fallu aller au parking, marcher jusqu'au bord de l'eau, trouver les spots de pêche, parce qu'on connaissait pas la zone. Donc du coup, même pas 2 heures de pêche. Et juste avec un poisson, c'était déjà le poisson de ma vie. Une truite de 60 cm pour l'ouverture. Que demander de plus, les amis? C'était juste magnifique. J'ai touché 2 autres poissons que j'ai décrochés. Et puis j'ai encore 2 autres poissons qui sont venus heurter mon leurre à quelques reprises sans se piquer. Ouais, franchement, c'était trop cool. C'était trop cool. Ça faisait trop plaisir de reprendre contact avec la canne à pêche, d'être le long de la rivière. Ça faisait trop longtemps pour moi. Donc ça m'a vraiment fait plaisir. J'espère que vous avez kiffé voir cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker pour cette méga grosse truite que j'ai faite.
Ciao tout le monde.